Michael Cornuau, je suis dirigeant de l'entreprise Brion Industrie à Nintré. C'est une entreprise de sous-traitance en tôlerie industrielle et qui emploie une trentaine de personnes. Alors Brion Industrie, c'est une entreprise qui fait de la tôlerie, donc tous les métiers liés à la tôlerie, la découpe laser, le pliage, la mise en forme des métaux, alors acier, alu, inox, la soudure, nous sommes qualifiés en soudure, avec deux normes, une norme qui garantit nos procédés de soudage et une autre qui est liée au ferroviaire. Et puis on a une ligne de thermolaquage, de peinture époxy. Donc en 2019, moi j'étais déjà un salarié de l'entreprise depuis mai 2016 et mon prédécesseur souhaitait céder l'entreprise. Voilà, donc j'ai regardé pour faire un montage afin de la reprendre, ce qui a été rendu possible fin d'année 2019. Donc j'ai accédé au poste de dirigeant le 2 janvier 2020, juste avant le Covid. Alors l'ambition pour l'entreprise, elle était simple, hein, c'était de pérenniser déjà la société actuelle, ce qu'elle était, ce qu'elle savait faire, de maintenir des activités, c'était très important hein, pour garantir aussi à mon prédécesseur la réussite de la reprise, puisque bon, il avait un lien quand même de 17 années passées ici, il ne souhaitait pas qu'on révolutionne complètement la société. Donc le but c'était de maintenir l'activité et développer des nouveaux procédés avec un nouveau laser, une nouvelle presse plieuse et de changer notre façon de travailler.